Salut tout le monde, ici Maxime Johnson avec le Samsung ST550, un nouvel appareil photo numérique de Samsung. Le ST550, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cet appareil qui offre un deuxième écran à l'avant. Samsung fait vraiment une grande campagne de pub présentement et avec raison parce que c'est vraiment la seule compagnie qui offre cette fonction. Alors on peut voir, je tape dessus pour faire apparaître l'écran, je me prends en photo et me voici cadré à merveille. Évidemment, seul, c'est moins impressionnant, mais lorsqu'on est en groupe, c'est vraiment facile de prendre un bon autoportrait. En plus de se prendre soi-même, l'écran peut servir pour afficher un clown, pour faire rire ou faire peur aux enfants, c'est selon, et un décompte lorsqu'on veut prendre une photo en groupe. Alors, au niveau de l'écran derrière, il est vraiment très joli, c'est 3,5 pouces, et il offre aussi les fonctions, les nouveaux gestes de Samsung, pour par exemple tourner une photo, ou encore un X ici pour l'effacer. On le fera pas. Au niveau de la prise de photo, je dirais que c'est une prise de photo correcte, sans plus, pour paraphraser un célèbre comédien québécois. Correcte sans plus, mais qui vaut clairement pas 400$. Alors, c'est sûr que c'est très chouette d'avoir un deuxième écran, mais on paye pour. Au niveau des vidéos, ça par exemple, j'aime bien, ça offre une résolution de 720p, ce qui vraiment n'est pas encore un standard là, dans l'industrie, alors ça vaut la peine. Donc voici le Samsung ST550, un appareil de 400$ qui prend des vidéos 720p, qui prend des photos correctes sans plus, mais qui offre un joli écran sur l'avant pour prendre des autoportraits. Alors pour avoir plus d'informations sur cet appareil, je vous invite à consulter mon blog maximejohnson.com/techno.